Bien, je me présente. Bonjour, je suis Laurence Magnetac. J'ai 25 ans d'expérience professionnelle au sein de multinationales, principalement en supply chain, et avec un dernier poste au sein d'un laboratoire pharmaceutique. Mon sujet de DBA que j'ai commencé il y a un an et demi, donc je suis à peu près à la moitié, est autour des leaders en perte de repères et d'envisager la mindfulness comme un levier d'action pour réussir, donc pour que le leader réussisse son retour en entreprise. Sur le déroulement de ma thèse et mes relations avec mon directeur de thèse, je fais partie de la cohorte Genève 5 et j'ai rejoint un groupe, nous sommes 6, avec dans des domaines très différents, des profils très différents, et je trouve que cela a favorisé les échanges entre nous sur nos sujets respectifs, avec beaucoup de conseils donnés en toute bienveillance lors de nos revues quand on pouvait se retrouver. Dans le cadre du DBA, j'apprécie la qualité des intervenants ainsi que leur sujet d'intervention. Je trouve que la plupart m'ont permis d'acquérir de nouvelles notions et que j'ai pu appliquer immédiatement dans le cadre de ma thèse. Concernant l'accompagnement de mon directeur de thèse, très bon accompagnement, un directeur de thèse, le professeur Valax, disponible avec beaucoup de conseils avisés. Et c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble de mes contacts avec le BSI. Sur le troisième point, les points forts du BSI, pour moi, cinq points forts. Tout d'abord, s'adapter au profil des étudiants et à leur emploi du temps, qui n'est pas toujours évident quand on est des professionnels. Le côté pragmatique du BSI, une très grande flexibilité pendant cet épisode de confinement qu'on a vécu, qui était lié à la pandémie, avec beaucoup d'écoute pour répondre à nos besoins, que ce soit des sessions à distance, les revues organisées le dimanche pour nous permettre d'y participer. Et dans l'ensemble, je trouve une équipe au sein du BSI, une petite équipe, mais toujours très réactive et toujours à l'écoute de nos besoins pour nous apporter les meilleures solutions.